salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, et frères Ivoiriens de la diaspora, je suis M. Johnny Pacheco-Antonio. Alors, je suis ici pour m'adresser à Solo La Roquette, Solo qui va Freedom, Solo La Roquette. Papa, la DJ Interpol. Mais avant de m'adresser à Solo Guillaume, dit Solo La Roquette, on va écouter ici la Côte d'Ivoire profonde. Et bien entendu, après, je vais vous entretenir. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais vous le savez tous déjà, nous ne sommes malheureusement pas ici au Palais de la Culture. Ici, je suis à la maison chez moi et je ne suis pas un artiste musicien. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais d'abord, parce qu'on va parler aujourd'hui du coup d'État au Mali et on parlera de Tonton Bouba. Mais j'aimerais condamner ce coup d'État, là. Voilà, parce que on veut enseigner des valeurs à nos enfants. Vous comprenez? Moi, j'ai honte pour l'Afrique. Quand je vois nos enfants aujourd'hui regarder ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour devenir président, il faut prendre des armes, tuer des gens, pour s'asseoir, c'est-à-dire que pour assouvir ces idées morbides. Mais moi, je pense qu'il y a un problème. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait cette vidéo parce que je suis scandalisé. Oui, je suis tétanisé. Je vois Guillaume Soré et son équipe qui sortent pour saluer le coup d'État du Mali. Et ce colonel poussiste au Mali-là, vous savez quoi? Et il le compare à Guéhi Robert. On dit, c'est le Guéhi Robert du Mali. Donc, en clair, eux, ils veulent effectivement un parallèle en Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ils n'ont jamais renoncé à cette velléité-là de renverser le président Ouattara par les armes. Toute la mutinerie qu'on a eue, on a vu en Côte d'Ivoire, le père, le fondateur, le dénominateur commun de cette mutinerie-là, s'appelle Solo Kiba Frigium. Donc, aujourd'hui, on salue un coup d'État d'un pays frère, un pays ami, comme le Mali. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Il faut avoir des pathologies dans sa tête pour pouvoir saluer un coup d'État en ce 21e siècle-là. Les gens cherchent à évoluer. On parle des iPhone X, on parle de MacBook, on parle de... Et vous faites l'apologie des coups d'État. Vous faites l'apologie des Kalachnikov. Je me pose des questions, les frères. Je me pose véritablement des questions. Là où vous vivez en Europe, là-bas, là, depuis Macron au pouvoir, là, vous avez vu qu'ils ont renversé Macron? Est-ce que vous avez vu qu'ils ont renversé Macron? Vous vivez dans le pays de Macron et vous saluez des coups d'État dans les pays des autres. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Alors, je suis ici pour vous rafraîchir la mémoire et pour rafraîchir la mémoire au président Bédier. Parce que c'est lui qui en alliance avec Guillaume Soro. Alors, je vais dire ici à Bédier, et je vais dire ici à Guillaume Soro, quand vous vous levez et vous dites que le putschiste colonel qui est au Mali là, qui a fait un coup d'État pour s'imposer là, parce que moi je pensais que pour devenir président, on venait avec un programme de société et on partait convaincre son électorat pour dire votez pour moi, si vous me votez, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Moi pour moi, c'est comme ça on devient président. Je ne savais pas qu'on prenait les armes. Je ne savais pas qu'il fallait recourir aux armes. Je comprends aujourd'hui pourquoi on a attrapé des tonnes d'âmes dans la maison de Solo Kiba Frigium. Je comprends ça aujourd'hui. Donc, j'aimerais dire une chose. Quand vous dites que ce colonel qui est au Mali, là, on peut le comparer à Guéhi Robert, je vais vous poser une question simple. Guéhi Robert, là, il a enlevé qui au pouvoir quand il a fait son coup d'État, là, c'est qui l'a enlevé au pouvoir? Guéhi Robert a enlevé Henri Konan Bédié au pouvoir. Donc, si le colonel poussit son Mali, peut être comparé à Guéhi Robert, et qu'on doit le saluer, c'est que, effectivement, d'après vous, dans vos esprits, Bédier était un monstre, Bédier était un dictateur, Bédier méritait de mourir. Voilà la réalité, voilà le message, il est clair. Bédier, là, il devait mourir. Bédier, là, il a mérité son coup d'État. Parce que le colonel qui est à côté de nous, là, au Mali, là, on dit que c'est Guéhi Robert. Il est venu sauver le Mali. Le Mali était dans le désastre, dans le désarroi. Et ce Guéhi Robert-là du Mali est venu sauver le Mali.
Donc vous voyez un peu. Et ça, ils disent qu'ils sont en alliance avec Bédier. Mais lui, mais ça l'apprendra de piétiner, cracher sur Ouattara et d'aller s'allier à son petit-fils, un putschiste comme celui qui va fouiller Guillaume. Alors, chers amis, je vais vous présenter ici Guéhi Robert pour ceux qui ne le connaissent pas. On va aller étape par étape. Alors, ensuite Guéhi Robert et après, je puisse mon allocution. On l'écoute rapidement. Suivez. Pour la fraternité qui nous lie, nous acceptons que Bédier parte parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. S'il fuit, un géant ne fuit pas. Un garçon, il reste en face, il répond aux questions. Mais s'il veut déjà partir par la fenêtre, lui, l'artisan des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Mais je ne voudrais pas on ait qui que ce soit. Les Ivoiriens répondent à notre problème suivant les règles habituelles. Au feu banni, certains commettaient des erreurs. Ils faisaient tout pour les pardonner. C'est un pays de tolérance. C'est pourquoi je vous dis à tous les peuples ivoiriens, à vous tous, d'être tolérants. Laissons-le partir. Voilà. Voilà Guéhi Robert. Ici, il a fait son coup d'état 7. Mais regardez le message qu'il a véhiculé derrière. Laissez Bédier partir. Parce qu'on est tous fils d'Oufoué Boigny. Et Oufoué nous enseigner la tolérance. Il ne faut pas tuer Bédier. Que Bédier parte. Mais celui-là que vous voyez ici, là, qui l'a tué, Guéhi Robert, là, celui qui l'a tué, vous lui avez souhaité hier joyeux anniversaire sur vos pages. Celui qui a tué Guéhi Robert, vous comparez lui qu'au Mali, vous dites que c'est Guéhi Robert, non? Bon, on suppose que lui qui est au Mali qui a fait le coup d'état, ce colonel-là, c'est Guéhi Robert. Alors, lui qui a tué ce monsieur qui est au Mali-là, vous lui avez souhaité joyeux anniversaire hier sur vos pages. Vous dites que c'est un dur. Et à cause de ce monsieur-là, vous insultez Ouattara matin, midi, soir. À cause du monsieur qui a tué Guéhi Robert, là, votre patron Guéhi Robert, là, vous insultez à la salle Ouattara matin, midi, soir. Vous voyez comment vous êtes incohérent? Vous voyez comment vous êtes incohérent? Alors, on va aller étape par étape. Je vous ai dit ça. On va aller étape par étape. Alors, on vous présente ici ceux qui ont tué Guéhi Robert. Votre Guéhi Robert du Mali, là. Voilà, c'est votre champion, non? Celui qui a tué votre champion du Mali, là. Écoutez ça ici. Il a tué Robert Guéhi. Oh, dites-le. Mais il faut bien le savoir. C'est bon, vous ne savez pas. Moi, j'ai pas vous le... Bon, vous ne savez pas. Donc, je vais vous dire. Lui merci. A tué le général Guéhi. Mais personne n'en parle pendant la campagne. Oh, c'est ce monsieur. Quelle grande affirmation. Mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Guéhi était donc responsable donc, de la rébellion. C'est lui qui l'a dit. Donc c'est lui, c'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé le corps du général Guéhi. Aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple connaît. Alors comment pouvez-vous dire, vous, que ce soit les déclarations de M. Afin Guessant qui ont conduit à la mort, à l'assassinat de je vais vous expliquer ça. M. Afin Guessant, M. Lida Kouassi et M. Alain Toussaint, qui étaient porte-parole de M. Laurent Gbagbo, dès 7h le matin, Robert Guéhi d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11h. À midi, M. Guéhi a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Mgr Agré qui le dit. Et puis à 13h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à M. Afin Guessant si Robert Guéhi avait vraiment été tué. Il a confirmé qu'il a été tué et qu'il a été tué sur le chemin de la RTE au moment où il partait faire une déclaration. Mais vous pensez que ça, ce n'est pas une accusation grave? Mais je voudrais dire, M. Afin Guessant, vous parliez tout à l'heure justement de ce que l'histoire nous jugera. Nous, dès lundi prochain, nous allons faire en sorte que les enquêtes que nous engageons conduisent à des conclusions qui soient connues. Voilà. Et les enquêtes, là, nous les connaissons. Les assassins de Guéhi, là, Ouattara a fait leur procès. Ils sont actuellement en prison. C'est les CKCK, là. Vous avez compris? Alors, moi, je trouve vraiment curieux que votre champion Guéhi du Mali, là, vous lui souhaitez joyeux anniversaire sur vos différentes pages. Je trouve curieux que celui qui a assassiné votre champion Guéhi Robert du Mali, là, vous insultez Ouattara pour dire on veut qu'il rentre comme un champion en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit accueilli comme un héros en Côte d'Ivoire.
Pourtant, il a tué votre champion du Mali qui a fait coup d'État. Vous êtes quel genre de personne? Franchement, je m'interroge. Vous êtes quel genre de personne? Alors, le même Guillaume Soro, ce Guillaume Soro-là, on va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Au fait, il n'a jamais changé. Guillaume Soro n'a pas changé. Parce que hier même, le coup d'État qu'on le Bédier, là, il a salué. Donc, c'est sa vraie posture, c'est sa nature. Sa nature, là, c'est de prendre des armes pour tuer les gens. Voilà, c'est Bédier qui n'a pas compris ça. Sinon, voilà la vidéo ici. La jeunesse ivoirienne est en joie. Parce que, un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédier. Voilà. Alors, ce Bédier que Guéhi a enlevé, ce Bédier-là, qui est un dictateur patenté, ce Bédier-là, moi je suis surpris. Au fait, j'ai été surpris, j'ai été choqué, il y a pris deux paracétamol. Ça n'a pas suffi. J'étais obligé d'aller aux urgences. Quand je suis tombé sur cette vidéo de Guéhi, de Soro qui bafoue le Guillaume, je suis tombé sur cette vidéo de Soro qui bafoue le Guillaume. Suivez-moi cette vidéo-là. Monsieur Bédier et moi, nous avons un accord politique. Nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le candidat de l'opposition qui est le mieux placé sera soutenu par les autres. C'est-à-dire qu'au soir du 31 octobre 2020, si je suis premier et que je suis qualifié pour le second tour, M. Bédier me soutiendra et vice-versa. Voilà. Donc, Bédier et lui étaient en alliance aux élections de 2020. Alors que on salue quelqu'un qui est au Mali qui a fait un coup d'État. On fait même un parallèle de son coup d'État avec le coup d'État qui a eu lieu en Côte d'Ivoire pour enlever Bédier. Et on dit que celui qui est au Mali là, c'est le Guéhi Robert du Mali. Alors que nous savons que Guéhi Robert en Côte d'Ivoire n'a enlevé personne d'autre qu'Henri Conan Bédier. Et ce Bédier-là est en alliance avec toi aujourd'hui. Et celui qui arrive au premier, celui qui arrive en premier, au premier tour, au deuxième tour, là, l'autre le soutient. Mais il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Donc, c'est pour dire que vous êtes dans quel combat? C'est quoi votre démarche? Parce que vous êtes peu lisible. On n'arrive pas à vous comprendre, au fait. On n'arrive pas à vous comprendre. Si effectivement, vous savez ce que c'est que la communication, on n'aurait pas fait une vidéo pour dire que celui qui est au Mali, là, c'est le Guéhi Robert du Mali. Parce qu'on sait qu'on a en alliance avec Bédier. Et Bédier, c'est lui qui a Guéhi Robert enlevé. Et si on adulte Guéhi Robert, si on dit qu'on aime Guéhi Robert, et qu'on dit que celui qui est au Mali, là, c'est notre Guéhi Robert, on ne vient pas plébisciter, on ne vient pas aduler celui qui a tué Guéhi Robert, en l'occurrence Laurent Gbagbo. On ne le fait pas. Donc, vous êtes deux fois incongru. C'est ça la réalité. Alors, on va parler maintenant de Tonton Booba. Je vois, j'ai vu une vidéo, j'aimerais dire Tonton Booba, je vous salue. Votre vidéo nous a peiné, nous a vraiment attristé. Et j'espère que les choses vont s'améliorer. Voilà, soyez sans rancune. Voilà, peut-être que c'est des incompréhensions, mais les choses vont se régler. En tout cas, j'ose croire que le président Ouattara, s'il n'a pas faim de cela, il va régler cette question-là. Mais on a vu des soroïstes encore faire de la récupération, puisque c'est eux qui ont publié ça. Et toujours pour pointer le président Ouattara du doigt, pour dire que Ouattara, c'est un dictateur. Il a enlevé Tonton Booba dans son travail, parce que Tonton Booba, d'après eux, a été décoré par Gbagbo. Chers camarades, je vous pose une question, s'il vous plaît. Vous savez, je vais vous montrer une petite vidéo. Une petite vidéo, simplement. Suivez-moi cette vidéo-là. À une intransigeance, quand les rouages et les mécanismes de l'État ne permettent plus aux citoyens d'avoir justice, ne permettent plus aux citoyens de s'exprimer, évidemment, la situation devient compliquée. C'est le blocage total. Et effectivement, on peut en arriver à des situations de révolte. C'est Victor Hugo lui-même qui disait que face à l'oppression, la révolte est de droit. Voilà. Bon, frère, quand Victor Hugo lui disait ça, là, ici, là, regardez, je vais vous montrer. C'est RTI. C'est RTI. La vidéo a été publiée quand? Le mardi 6
sixième mois 2012. Le mardi sixième mois 2012, Guillaume Soro était premier ministre de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, tu ne savais pas que Tom Bouba, là, il avait été conduit, tu ne savais pas ça? Quand tu venais t'asseoir à la RTI, là, tu ne savais pas que Tom Bouba avait été licencié, toi le premier ministre de Côte d'Ivoire. Tu as été ministre de la Défense. Tu ne savais pas que Tom Bouba, là, il avait été licencié. Après ça, quand Victor Hugo te parlait dans ton sommeil, Guillaume Soro, la révolte des droits, la révolte des droits, réveille-toi, réveille-toi. Et puis tu étais payé à la semaine nationale, là. Tu ne savais pas que Tonton Bouba, là, il était licencié. C'est aujourd'hui, en 2021, que toi, tu as appris spectaculairement que Tonton Bouba a été licencié. Arrêtons. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, mes frères? C'est quelle manière de faire la politique, ça, là? Toi, là, tu ne peux pas te... Toi, selon Guillaume, tu ne peux jamais te dissocier mais de la gestion du président Ouattara. Voilà. Si tu estimes que Ouattara a enlevé Tonton Bouba, là, tu es comptable de cela. Voilà, parce que toi-même là, tu connais Tonton Bouba plus que Ouattara lui-même. Lui qui connaît Nadi Bamba là, c'est toi, c'est pas Ouattara. Tu comprends un peu? Donc, s'il y a quelqu'un qui sait que Tonton Bouba a été licencié là, il s'appelle Solo Kibafuri Guillaume, c'est pas Alassane Ouattara. Sinon, tu as fait quoi pour le rétablir? Tu as fait 9 ans avec le président Ouattara, 9 ans et demi. Parce que c'est seulement en 2020 là, que tu t'es réveillé en juillet, que Ouattara était un dictateur. Sinon, tu as fait 9 ans et demi à Ouattara. Toi, tu ne sais pas que ton Bouba là. Tu ne savais pas qu'il n'y avait plus Ouzo vacances. Parce que chaque année, les Ivoiriens sont habitués à voir ton Bouba à nous présenter Ouzo vacances. Toi, tu ne savais plus qu'il n'y a plus Ouzo vacances. C'est aujourd'hui que tu sais qu'il n'y a plus Ouzo vacances. Regardez-moi des personnalités comme ça, des personnages pareils. Ils vont se lever, Ouattara lever ton Bouba. Non, il faut arrêter ça, Guillaume Soro. Alors, moi, j'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. Saluer un coup d'État et de sucrois. Mais tu fais l'apologie de celui qui a enlevé Bédier avec qui tu es en alliance. Et paradoxalement encore, tu salues le maîtrier de ce Guéhi Robert. Tu salues son maîtrier. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Alors, chers camarades, je suis venu leur dire, le président Ouattara, là, lui qui s'amuse, je vous l'ai dit, lui qui s'amuse, il va trouver la loi devant lui. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. Tu veux aller... Prends le pouvoir, mon frère, viens nous présenter ton programme. Si nous, là, ça nous convainc, effectivement, on vote pour toi. Si tu n'es pas convaincant, mais on vote pas pour toi, tranquillement. Mais les hommes, là, ne passeront pas en Côte d'Ivoire. Il faut te mettre ça à l'esprit, frère. Il faut te mettre ça à l'esprit, frère. C'est ce que je voulais te dire. On veut la paix, c'est vrai. Mais ce que tu es en train de faire, il faut quitter les dents. Les gens sont en guerre d'un pays ami. Un coup d'État, là, ça appelle toujours un coup d'État. Tu le sais très bien. Des gens sont en guerre d'un pays ami. Le Mali, il a son quel coup d'État aujourd'hui? Le Mali a son quel coup d'État aujourd'hui? Les gens se battent pour que l'Afrique soit un exemple, un modèle. Et toi qui dis que tu veux diriger la Côte d'Ivoire, là, toi qui salues les coups d'État dans les pays amis, il y a un problème, frère. Tu es quel genre de leader? Tu veux enseigner quoi à nos enfants? Qu'il faut se couper la tête, arrêter d'aller à l'école, couper la tête, prendre des armes pour devenir président? Est-ce que tu veux nous enseigner? Sinon, c'est quelle communication de comparer ce poutiste du Mali à Guéhi Robert? Sans sérieux, les frères. Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire, c'est le camarade Johnny Pache contre le MPA. Portez-vous bien ici et moi. Ciao, ciao. Et on rentre à ta place.